Juliette, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends, Bertrand. Bertrand. On n'est plus en direct, mais on était en direct. On ne peut pas continuer. Je sais pas si on peut remettre des images. Je parle d'elle-même, hein. C'est la grosse cohue. Vas-y, ça y est, on y est là, on est en direct. Il est devenu journaliste. Alors, ça valait pas ton coup de rester un peu tard devant des moines? Non. Merci. Bertrand, raconte-nous un peu ce que tu vois là, parce qu'on voit aussi. Oui, Bertrand, tu peux parler, tu es à l'antenne. C'est un super bordel. On t'entend. On t'entend, Bertrand. C'est assez impressionnant, j'avais jamais vu un truc comme ça. C'est énorme. Et Guémoine est là. Regardez, oh là là, c'est de la bagarre. Hein. Ah ouais, ça se bagarre. Ouais, oh là là, ouais, ça s'inscrit. Ouais. C'est pas Laurent. Je vous entends très mal en régie. Oui, mais parle, tu es à l'antenne. Bon, bah tu n'y es plus. Bon, j'aimerais pas faire sa place, autant vous le dire. C'est quand même énorme, comme quoi, voilà, exactement. Demain, dans la soirée de demain, vous verrez un sujet qui résume tout ce qui s'est passé au Virgin, puisque là, on vous le montre que partout. Oui, il y a un journaliste qui suit ailleurs. Et la connexion n'est pas évidente à capter avec Bertrand. Donc là, on va, je crois, bientôt lancer une page de pub, vous qu'on me confirme ça. Et ben voilà, c'est la pub. Tout de suite, on se retrouve juste après avec un test. C'est parti. Allô? Oui, Bertrand, après. Oui, après la pub. Rebonsoir, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'était la vraie cohue. Voilà, il n'y a même pas de caméra braquée sur moi, vu que Laurent suit l'action au plus près. Vous voyez actuellement le sol jonché d'accessoires. C'était une bagarre incroyable. Vraiment, c'est du jamais vu et on était sur le coup, vraiment. C'était impressionnant. Mais il y a des gens qui ont je crois que les consoles sont. Il y a des gens qui se sentaient mal. On a vu des gars du Virgin, des vigiles, porter des nanas. Enfin, ça a l'air hallucinant quand on a vu des nanas remonter près de la grande console, etc. Il y a eu des petits soucis, apparemment. Oui, effectivement. Dès que la bâche s'est levée, toute la foule s'est précipitée au centre. Et alors qu'on pensait que les consoles ne seraient pas forcément là, mais vers les caisses, exactement. Elles étaient bel et bien là. Et donc le public s'est jeté en masse, a poussé, ce qui fait qu'il y a des filles qui étaient compressées au milieu et les vigiles ont dû les soulever. Mais c'était vraiment... Bon, on a vu ça. Voilà.